aujourd'hui, vous m'avez trop manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Et j'espère que vous allez tous très, 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 très bien. Alors aujourd'hui, je vais commencer la série avec la petite section, la moyenne section et la moyenne section et la grande. CP et CE1, je vais partager avec vous mes leçons. Alors les amis, je vous dis bon courage. Yalam bdaou. On va commencer la séance en français. Allez, chantez avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais les mes alphabets. Chante avec moi, s'il te plaît. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais les alphabets. Chante avec moi, s'il te plaît. A majuscule et voilà A minuscule. Comme par exemple un arbre. Un arbre. Un arbre. Ah oui, pardon. Pardon. Vous êtes souvenus. On va commencer par et A. Alors un arbre, pardon. Voilà. Et voilà comment il est un arbre. Chajaratone. Ça s'appelle chajaratone, un arbre. Maintenant, un avion. Voilà. Un. A. Vion. Je sais, je dois faire U majuscule et A majuscule. Pardon que j'ai fait cette A, c'est juste que j'ai appris à faire ce A. J'ai appris à faire ce A là. Vous voyez? الحرف الأ كنديروها ماجوسكول في لو ديبي ديال امو ولا اون فراز ولا افيون ان افيون سميتو بالعربية طائرة فوالا. Peppa, j'ai vu une nouvelle copine de Peppa et j'ai appris à faire un beau avion, comme ça. Voilà, pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Je ne me souviens pas comment. Voilà. Ça, ici. Bien, c'est pas ça. طائرة مثل هكذا.
un avion, ta iraton, un avion. Alors maintenant, on va passer à la lettre B. Bon, maintenant, je vais vous dire des mots avec la lettre B. Comme par exemple, ça c'est un B majuscule. Ça c'est un B majuscule et ça c'est un B minuscule. Ça c'est un B minuscule. Alors, comme par exemple, une banane. Allez, maintenant je vais vous montrer un bateau. Je vais vous dire qu'un bateau, c'est un on flotte dans la mer et on nage. On flotte dans la mer et on nage. Et on coule, le bateau il est naufrage et on coule jusqu'à l'eau. Bon, une banane, c'est un fruit que j'adore, c'est comme les singes, ils adorent vraiment la banane. Une banane, c'est un fruit délicieux, j'adore. Miam 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 miam. Regardez, ça c'est un cercle. Regardez, le cercle c'est quelque chose de rond. Le cercle c'est quelque chose de rond. Comme par exemple, le cercle. Voilà un cercle. Voilà, vous pouvez bien voir de plus près. On va le poser là, le cercle. Et on va passer à la lettre T. Allez, Tramaya! Yalla, Radin Bedaou, la lettre D. Yalla, fini à la lettre D. Voilà. Elle joue à cache-cache, cette petite. Alors, T minuscule. Voilà. D majuscule et il y a la lettre D minuscule. Comme par exemple douche. 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 La douche, il y a le hammam. Le hammam. Les gars, cela fait Allah. Allez, étends-moi ces douches. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, d'abord on dit douze dinosaures. Quand on a fait le dinosaure, qu'est-ce qu'on a fait? Dinosaure. Dinosaure. Il
elle a une grande mâchoire, le dinosaure. Quand j'étais dans la grande, on est parti au zoo. Mais comme ils ont disparu, les dinosaures, alors on les a jamais vus. Parce qu'ils sont trop dangereux. Et ils sont partis très loin dans un autre pays. Ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont partis dans le dieu? Avec le dieu? Eh bien, je ne sais pas. Parce que les dinosaures, on les prend avec des fusils. Yaaah, tchou-tchou! D'abord, Dindouzou, le E. Alors, il est où le E? Héroua! E majuscule. La lettre E. Et la lettre E comme ça. Je crois que, c'est comme le L. Pardon. Voilà le E majuscule. Minuscule, pardon. Bon. On va. Yala. Hey, il y a le E majuscule. On a le E minuscule. Comme par exemple, les amis, d'abord, requin, il y a kershon. D'abord, melon. Alors, je vais vous montrer là le melon qu'il m'a ramené mon père. Attendez-moi une minute. Cheval. Voilà, je dois enlever le E. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis aussi en train de faire le dicté. Et j'ai un livre de CP que je fais tous les exercices dans la classe. Bon, on va passer à la lettre F. Voilà F. Voilà F majuscule et voilà F minuscule. Voilà F minuscule et voilà F majuscule. Voilà F majuscule et voilà F minuscule. Yes! Comme par exemple, carafe, une carafe. On va faire F minuscule parce que elle est à la fin. Elle est à la fin du mot. Alors on va faire minuscule. Alors, je vais vous donner un autre. Voilà une carafe. Ah voilà. Elle est vide. Voilà. La carafe. D'accord, on peut faire de l'eau, du jus de... Miam, miam, du jus de melon. Voilà, du jus de... On peut faire du jus de melon, beaucoup de jus et du café, du lait, de l'eau. Allez, viens ici et on va continuer.
un autre exemple. Comme par exemple, un arbre. Exemple, merci maman, foulard, ah oui, voilà, voilà, un foulard, la la la, bonjour mes petits enfants, c'est comme ma grand-mère. On va passer à la lettre G. Voilà, on va faire la lettre G minuscule. Voilà, la lettre G minuscule et majuscule. Comme par exemple... Bon, je vais vous dire que on va continuer la leçon. Comme par exemple, une guêpe. Une guêpe. Une guêpe. Vous êtes sûr que c'est une guêpe? Eh ben moi, je réfléchis un peu. Eh ben c'est juste. Comme un autre exemple, un frelon. Frelon, c'est très dangereux les amis. Frelon, je sais qu'il est avec F, mais je veux que vous le saviez que le guêpe et le frelon, il a un poison. Alors, comme par exemple, je veux vous dire que frelon, c'est venimeux. Une guêpe, c'est aussi venimeux. Berk, il a un poison qu'on peut mourir. Vraiment, on ne doit pas s'approcher d'une guêpe. Vous pouvez savoir une guêpe parce qu'elle est trop grande. Et le frelon, il est un petit peu petit. Mais il est maigre. Le frelon, il est maigre. Et la guêpe, elle est grosse ou bien maigre. Bien, je ne sais pas encore. Maigre, la guêpe, elle est maigre. Vraiment, vous pouvez pas... Vous allez enlever du frelon. Je veux dire... Alors, je vais vous donner un autre exemple, comme par exemple, un gorille, un gorille, un gorille. On a déjà lu deux L, E, et E, U et L. On a expliqué il ou bien elle. Alors moi, j'ai fait elle. C'est vrai qu'il n'y a pas e, mais il. Gorille. Le gorille, c'est le papa ou bien la maman du petit singe. Après le singe, il grandit. Et il devient comme sa maman ou bien le papa. Mais il est fort. Le gorille, il est fort.
Il veut juste nous dévorer, ce gorille. Berk, il existe encore, le gorille. Il existe encore. Voilà, H majuscule et H minuscule. Voilà, comme vous voyez ici, c'est H minuscule et c'est H majuscule. Comme par exemple, chocolat. Qui aime chocolat? Tout le monde? Vous ne savez pas que chocolat, c'est plein de sucreries? Eh ben, moi aussi, je ne savais pas. D'abord, j'adore encore le chocolat. Délicieux, les gâteaux! Alors, comme par exemple... Chocolat. Et il faut pas que vous comme je te insulte. À la fin. Chocolat, je vais partir prendre du chocolat. J'ai plaisir. Alors, comme par exemple, un autre exemple, je vais vous donner. Comme par exemple, chouette. Comme par exemple, chouette. Qu'est-ce qu'on a oublié dans chouette? Je crois que... On n'a rien oublié, n'est-ce pas? Alors, les petits, vous pouvez écrire chou, un autre exemple, chou ou bien, je dois être juste en bas, mais c'est pas grave. Pour le début, je vous ai donné CH, et maintenant, je vais vous donner hirondelle, exemple. Je vais vous dire les amis que j'ai écrit hirondelle. Oui, j'ai écrit hirondelle. Ou d'abord, radin, comme. Hirondelle, la ketchup double H. كاين واحد الكلمات اللي كتبداو بالاش بوحديتها ولكن ما كتنطقش مزيان كوم باغ اكزومبل purple هذوك اللي كيعرف انا لونغلي كيقول بيربل ولا هو اللي كيقول العربيه كيقول بيربل هذاك اللي كيعرف دابا بيربل هي بنفسجي انا On passe. Je ne sais pas comment. Alors, voilà I, une minuscule, et voilà I majuscule. Comme par exemple, Dan. J'ai oublié. Je dois dire Dina, mais c'est mon petit bras qui s'appelle Dani. Dani, c'est un. J'ai écrit
c'est un garçon et Dina c'est une fille. Mamie. Ma grand-mère Zahra. Mamie Zahra. Mamie Zahra. Voilà. Et pour ça y est. Et Iris. Et Iris. Voilà. Iris. Iris, c'est un. Je l'ai vu dans l'internet. Iris, ça veut. C'est un prénom ou bien une fleur. J'ai oublié de faire I majuscule. Bon, j'ai prendu mon déjeuner. J'ai prendu mon déjeuner et je suis venue avec vous. Mais j'ai comme la vidéo. D'abord, J majuscule, comme d'habitude. Comme d'hab. J majuscule et J minuscule. Il est où mon feutre d'abord? Feutre, où es-tu feutre? Ah, il est là. Bon, regardez. Comme par exemple, jouer. Et jus. Vous avez le jus. Bon, voilà. Maintenant, on va passer à la lettre K. Comme par exemple... regardez, ici, il y a K majuscule et K minuscule. Comme par exemple, kiwi. Kiwi, c'est un fruit délicieux qui a des vitamines C. Les vitamines C. Kangourou. C'est un animal qui saute à pieds joints. Il vit en Australie qui fait chaud. Et il a une poche. Et il a une poche pour faire ses bébés. Comme vous pouvez le voir, les mamans kangourous, ils font dans leur poche leur petit. Parce qu'ils ne savent pas encore les petits comment on peut sauter. Parce qu'ils sont encore petits, des petits bébés. Ah voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, l'eau, vous savez déjà. L'eau, c'est l'eau qu'on boit. Attendez. Voilà l'eau. L'eau, on peut boire dessus. Alors, moi, je bois de l'eau. Ah bon, je vais continuer avec vous. Alors, ici, il y a de l'eau. J'ai déjà expliqué l'eau. Voilà, maintenant, on va passer au lit. Lit, vous savez bien que ce que c'est. Lit, on fait dodo. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, on va, tu vas être en forme. J'ai inventé ça.
avec la chanson de Jacques. Avec la chanson de Jacques. Bon, et maintenant, on va passer au lavabo. Lavabo, on lave notre main. Lavabo, on lave notre main. La Corona, tu vas partir jusque là. Allez Corona, tu vas partir avec le salon dans le lavabo. Maintenant on va passer à la lettre M. M minuscule et M majuscule. Comme par exemple maison. Voilà, maison c'est un endroit. Ou bien un bâtiment. Un bâtiment. Oui, c'est un bâtiment qu'on vit. C'est un bâtiment qu'on vit, c'est pas un hôtel. Ouais, moi je vais pas dans les grandes vacances, je vais partir à l'hôtel dans un train. Le train, c'est génial. Et ça, c'est midi. Midi, ça veut dire midi, ça veut dire 12h. 12h, ça veut dire midi. 12h, ça veut dire midi. Dans le déjeuner, quand il y a le temps du déjeuner, c'est midi. Et là, on a maman. On va passer à la maman. Le dernier, c'est la maman. Ici, il y a moto. Ici, il y a moto. Moto, vroom, vroom, vroom. Vroom, c'est le star qui fait comme ça. Vroom, vroom, vroom. Bon, je vais continuer avec vous. Regardez. On va commencer par N. N, voilà. N majuscule et N minuscule. Et ici, il y a nid. C'est l'oiseau qui rassemble des branches et des feuilles pour que ça donne un nid. Je vais vous le montrer ici. Regardez. Ici, il y a un nid. Vous voyez bien? Nuage. Il est dans le ciel. Il est blanc. Il peut donner des nuages noirs, ou bien de l'orage, ou bien de la pluie. Ah oui, je vais vous le montrer dans l'image. Voilà. Ici, vous voyez le nuage. Bien. Nora, c'est un prénom. C'est un prénom. Qui commence par N majuscule. Et ici, il y a nappe. La nappe, c'est la nappe. C'est une serviette de la table. Si vous ne la comprenez pas, voilà dans l'image. Et maintenant, on va passer à O. Voilà. Voilà. Ici, il y a orange. Ici, il y a orange. Orange, c'est un fruit. Orange, c'est un fruit ou bien une couleur. Comme par exemple, voilà. Comme orange, c'est un fruit délicieux. Et ou bien une couleur, comme ça, regardez. C'est comme un orange rond. C'est une couleur orange et elle est ronde comme un fruit. Voilà, ici il y a vélo. Vélo, c'est une bicyclette. C'est une bicyclette que vous dites les petits. Une bicyclette. Moi quand j'étais petite, j'étais en train de dire une bicyclette, mais maintenant non. Allez, vélo, 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 vélo.
À plus tard, je vais faire du vélo dans le jardin. Pip pip. Et ici, il y a chocolat. Comme vous voyez là, j'ai déjà expliqué chocolat. C'est juste, je l'ai fait parce qu'il y a eau ici et eau. Vous voyez bien. Et ici, il y a photo. Ce pH, vous pouvez l'oublier. Il y a ici photo et c'est vrai qu'elle s'écrit avec PH. Mais moi, comme vous êtes petit et vous n'êtes pas arrivé au CP, je vais vous donner ces mots-là. Ces mots très faciles. Prenez pour vous. Yalla, redit deux ans, le culant ou le P. La lettre P ou la lettre culant. Q. Un dessous de P. P majuscule comme d'habitude ou P minuscule. Rien. Comme par exemple Puma. Puma c'est un animal sauvage qui mord et qui mange de la viande. C'est... je crois que vous n'êtes pas encore arrivé. Les petits, je parle. Ah oui. Ici, c'est papa. Il m'a manqué, mon papa, il n'est pas là. Il n'a pas de vacances. Alors, il va me manquer, trop me manquer. Dans cette vidéo, je te dis je t'aime, papa. Et dis-moi dans les commentaires d'Instagram qu'est-ce que tu penses de moi, d'accord? Yes! Et ici, c'est patate. Ici, c'est patate. Patate, ça veut dire la pomme de terre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, c'est une patate. Ça, c'est une patate et ça, c'est une patate douce. هذه بطاط بالعربية بطاطس هذه بحال اس ولا بحال كيكه بطاطس عندك ما تنساوها وتنسى